Dimanche 17h, pour beaucoup, ce sera exit le sable, place au vert de la pelouse russe. Option grand écran, option bar, option fête, drapeau. On va faire la fête. La fête d'un jour de match, ça se prépare. Ici, la finale de la Coupe du Monde, ce sera en famille. Trois générations côte à côte et les Croates sur le grill. C'est les choses dans l'ordre. C'est le football, l'apéro et après le barbecue. Puis après 2-3 pétards sur la route pour fêter ça avec les drapeaux. Quoi. Ah oui, vous avez tout prévu? Ah oui, tout est prévu. Ouais. Ah ouais, on a les drapeaux, on a les pétards, on a les maquillages. À domicile donc, pour certains. Allez les bleus! D'autres ont choisi de jouer à l'extérieur. Devant l'écran géant du bar, devant la plage. Et en famille? Et en famille, avec mon mari, mes enfants, mes petits-enfants, s'ils veulent venir, voilà. Avec tout le monde pour faire la fête, comme en 98. Ici, devant les bleus, face au flot et au grand écran, 1500 personnes sont attendues. Alors, pas sûr que tout le monde puisse vraiment profiter du match. Je pense qu'on va toujours pouvoir regarder, jeter un œil par-ci par-là de temps en temps. Quoi. Après, on entend, enfin, quand il y a des actions, on les voit. Quoi. Les gens ils commencent à s'énerver, ils commencent à hurler, ils commencent à. Non, généralement, on tourne, on regarde ce qui se passe. D'accord, mais d'autres vraiment n'auront pas cette chance. Avec en seul point de mire, l'azur de l'horizon, non négociable. Les palmes bleu-blanc-rouge n'y changeront rien.